Bonjour à tous et bienvenue dans le premier tuto proposé par Urban & Water Contest, l'association sport extrême de Cage Business School Marseille. Dans ce premier tuto, on verra un petit peu le début de l'apprentissage du skateboard, comment apprendre à rouler, freiner et bien évidemment tourner. Alors la première étape pour apprendre le skateboard, ça va être déjà savoir se positionner et rouler sur la planche. Donc déjà, avant tout, quand vous allez monter sur la board pour la première fois, vous allez avoir un sens un petit peu où vous allez être le plus à l'aise. Donc quand votre pied avant, c'est le pied droit, on va dire que vous êtes goofy. Et à l'inverse, quand votre pied avant sera le pied gauche, vous serez régular. Donc déjà, bien connaître votre sens. Donc ensuite, pour rouler, c'est simple. Vous allez mettre donc votre pied avant un petit peu en dessous des vis, donc à peu près à ce niveau là, et vous allez pousser en fait avec l'autre pied, donc le pied arrière, donc ça va être le pied gauche si vous êtes goofy et le pied droit si vous êtes régular. Donc à savoir que quand vous allez pousser en fait pour prendre de la vitesse et rouler, votre pied avant, donc celui qui reste sur la planche, devra être en fait parallèle à la planche. C'est beaucoup plus facile comme ça, parce que si vous positionnez votre pied perpendiculairement à la planche, ça va être assez compliqué. Donc bien mettre le pied parallèle à la planche, pousser avec votre pied arrière, et ensuite réajuster le pied avant une fois que les deux pieds sont sur la borne, afin que les deux pieds soient perpendiculaires à la planche. Voilà, donc par exemple, moi je suis goofy, donc mon pied droit sera à l'avant du skate, et mon pied gauche me servira à pousser. Maintenant que vous savez vous positionner et rouler, on va voir une autre étape essentielle dans l'apprentissage du skateboard, c'est comment s'arrêter. Alors pour freiner en skate, il y a aussi différentes manières. Donc la première, ça va être en fait d'appuyer sur le tail jusqu'à ce que celui-ci touche le sol. Le problème, c'est que en faisant ça, vous allez abîmer votre tail. Donc ce qui est préférable plutôt, c'est de, en fait, le pied avec lequel vous poussez quand vous roulez, c'est de le poser par terre et le faire frotter légèrement au sol, puis revenir sur la planche. Donc la deuxième technique de freinage, poser le pied arrière au sol de manière à ralentir sa course et ainsi freiner. Bien évidemment, quand vous allez aller un peu trop vite, ce ne sera pas efficace, il sera préférable de sauter carrément de la planche. Alors une autre technique de freinage, en fait, c'est le fait de faire déraper la planche au sol. Donc sans la faire décoller, c'est-à-dire que pour faire ça, vous allez lever très légèrement les roues avant et appuyer en fait très fort avec la jambe arrière, donc soit en arrière de vous, donc ça va faire ça, soit devant vous, comme ça. Et voilà enfin la troisième technique, faire déraper la planche au sol sans la faire décoller, donc comme j'ai expliqué, hein, en levant légèrement la roue avant, puis appuyer bien fort avec le pied arrière, soit dans ce sens là soit dans l'autre, de manière à freiner et ainsi pouvoir s'arrêter ou perdre de la vitesse dans une côte. On a vu le positionnement, comment se positionner sur la planche, comment rouler, comment s'arrêter. On va maintenant apprendre à contourner un petit peu les obstacles, et pour ça il va falloir apprendre à tourner. Alors pour tourner, il y a différentes manières. Ça dépendra de comment vos trucks, en fait la partie métallique du skate auquel sont accrochées les roues, sera serrée ou desserrée. Donc plus les trucks seront serrés, plus ce sera en fait difficile de tourner en appuyant soit sur la pointe, soit sur les talons, donc sans lever la planche en fait, en inclinant tout simplement le corps. Donc à ce moment-là, il faudra en fait lever en appuyant sur le tail, lever l'avant du skate et tourner comme ceci. Alors comme je l'ai expliqué, la première manière de tourner, si vos trucks sont assez serrés, ça va être de lever l'avant du skate en appuyant sur le tail. Alors une autre manière de tourner, comme je l'ai expliqué, si vos trucks sont suffisamment desserrés, ça va être d'appuyer sur la pointe de vos pieds ou sur les talons, et ainsi de pouvoir tourner sans lever l'avant du skate
ou sans faire décoller la planche. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier tuto de skate proposé par Urban & Water Contest, l'association sport extrême de Cage Business School Marseille. À la prochaine pour un prochain tuto. La bise extrême.